Bonsoir à tous. <laughs> Un peu en retard dû à la grève. I just wanted to uh, thank. Uh, we will have, uh, we'll be beginning uh, as, we, as we talk. Robert and Chantal Lynn that are online, you don't see them, but they see us. Uh, donc, uh, merci d'être venus. Uh, malgré uh, la petite grève impromptue uh, du transport, uh, je suis content de vous voir uh, uh, en grand nombre ici à la Maison de la Conversation. Et puis, euh, cet événement qui est autour de, du thème de comment réussir la révolution du secteur financier. Alors, je me nomme Paul Allard, je suis cofondateur et président de Impact Ratings, qui est la première agence d'analyse et de notation d'impact. Et puis, euh, je précise une chose. Oui, je suis québécois, puis vous avez remarqué que vous avez tous un petit accent, euh, mais ne vous en faites pas, vous n'êtes pas les seuls. Il y a les Suisses, il y a les Belges, il y a aussi les Marseillais, les Toulousains qui ont des accents, mais je m'y suis habitué, je vous comprends maintenant. Donc, tout va bien, on va pouvoir s'entendre, se comprendre. Donc, euh, du coup, hein, commençons. Euh, cet événement il est organisé par Impact, mais qui est euh, aussi en collaboration avec nos partenaires Novetic. Il y a Options Finance et puis les acteurs de la finance responsable qui nous ont aidés à organiser. Et il se déroule en parallèle de la semaine de la finance responsable à Paris. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait à ce moment-ci. Et euh, si on est ce soir dans la maison de la conversation, ça, ce n'est pas un hasard. C'est qu'on veut ce soir que ce soit une conversation qui soit constructive, qui soit euh, porteur de solutions, mais qui dit conversation aussi, on veut éviter une chose qui s'appelle la langue de bois parce que c est, c est, ça, va, ça mène nulle part, on ne se dit pas les vraies choses et euh, ça masque aussi les vrais enjeux. Puis on veut parler d'enjeux de, qui sont réels aujourd'hui. Euh, J'ai d'ailleurs dit à tous mes invités que ce soir, c'était lâchez-vous, laissez, toujours dans le respect, puis avec une approche constructive, mais il faut se dire les vraies choses. Il faut se dire les vraies choses, sinon on va rester à se faire à croire des choses pendant qu'il y a des petits feux de forêt qui se passent. On se trouve également au pied de la butte Montmartre. Puis ça, c'est une, une belle synchro synchronicité. On parle de révolution, de résistance. Euh, euh, je trouve ça rigolo. Euh, en espérant toutefois qu'on ne termine pas comme la commune en 1871, puis qu'on ne se fasse pas anéantir par les pouvoirs en place. Euh, mais je trouvais ça rigolo d'être euh, sur la... C'est un de nos invi de, des invités qui a dit, ben bah, oui, c'est une belle synchronicité d'être euh, au bas de la butte euh, Montmartre. Le, ou Montmartre, que je ne sais pas, la montagne Montmartre ou le Mont Montmartre, je sais pas comment vous l'appelez. Euh, vous avez remarqué dans la salle qu'il y a des QR codes, des codes QR. Et bien ça, on voulait, comme tout bon événement de Paris, on voulait... Euh, vous offrir un petit cadeau, mais au lieu d'avoir un petit crayon qui ne fonctionne pas ou avoir une tasse LED qu'on n'utilise jamais, on a pensé à quelque chose de plus pertinent, euh, vous qui êtes dans le domaine. Donc, euh, je vous laisse un peu la surprise, mais inscrivez-vous déjà, euh, scannez euh, le QR code. Et puis, Axel Bonaldo, qui est notre euh, directeur des, euh, du développement d'affaires, vous expliquera à la fin de la présentation, juste avant le cocktail. Voilà, voilà, voilà. Euh, je vais... Euh, avant de vous présenter nos, nos euh, super intervenants, je profite ce soir aussi pour revenir sur une annonce que l'on a faite cette semaine, la semaine dernière en fait. Euh, en fait, on, on est très, très heureux d'avoir annoncé ce partenariat avec euh, Société Générale et euh, un partenariat important puis stratégique et qui, est, qui est, en plus de nous avoir choisi comme principal fournisseur de données d'impact, à euh, investir dans notre capital. Et euh, je dois dire auprès d'Altalura Ventures à New York, qui est une firme d'investissement d'impact. Je vous dis que l'importance de cette annonce, ce n'est pas tant la levée de fonds, qui est somme toute des petites sommes, vous qui êtes banquier dans le monde de, de la finance, 4,5 millions d'euros, mais c'est surtout que le fait qu'une banque de première importance en Europe et dans le monde euh, fait le choix stratégique d'investir et d'intégrer dans tous ses processus de décision. Des données d'impact de haute qualité. Puis quand je parle de, 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 de haute qualité, je parle de la plus haute qualité, c'est-à-dire on parle de données qui viennent d'un bilan d'impact qui analyse l'entièreté des activités, qui a une approche de double matérialité qui euh, euh, utilise des standards qui sont internationaux, l'IMP, les ODD, qui regardent les impacts positifs, les impacts négatifs, et aussi qui contextualise ces données, parce qu'une donnée absolue veut absolument rien dire, et aussi qui a choisi, qui a fait le choix de faire vérifier par un parti tiers de confiance, qui est nous en l'occurrence. Donc moi, je, je pense que c'est hyper important comme, comme signe du marché. Et euh, c'est vraiment, vraiment, je pense que c'est un, ce projet stratégique-là, on souhaite qu'il soit suivi par d'autres institutions financières parce que c'est assez important. Euh, euh, et et s'il y a une des banques comme celle-là qui fait ce choix-là, je pense que ça va donner le ton aussi, ça veut dire que profondément, il y a des choses qui changent. Euh, euh. Je ne sais pas si je l'ai vu, mais je voulais remercier. Euh, on n'en serait pas là avec la Société Générale, dis, ni la Société Générale n'en serait pas là euh, s'il n'y avait pas eu un des piliers de, la, de ce changement opérationnel. Et je voudrais remercier ici Adjira. Ad, Est-ce est qu'Adjira est là? Non, elle n'est pas là, c est, mais c'est une personne qui, euh, euh, qui a vraiment fait en sorte que ça fonctionne et qui est au cœur de, de, de cette transformation-là. Cette transformation-là, chez la Société Générale, ça, 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 ça a été un choix stratégique il y a plusieurs années et auquel on a commencé à travailler avec eux il y a deux ans. Donc, ce n'est pas euh, un coup de tête, ce n'est pas l'effet de mode et ça va au-delà du marketing et des belles intentions et des effets de mode. Et c'est ça qui est important pour nous. Donc, sans plus tarder, on va passer à notre euh, programme principal, mais je voulais aussi euh, remercier deux autres personnes qui sont dans la salle ici. Une qui s'appelle Marc Ries, qui est un, un de nos premiers clients d'importance qui nous a fait confiance. Euh, il était nouveau là-dedans, c'est le patron de Vega euh, IM. Euh, on a justement un de ses collaborateurs qui va intervenir ce soir. Mais merci, Marc. Et un autre aussi, qui est un ex-banquier. Euh, <laughs> un, un, un BA qui a mis euh, de l'argent et qui nous a supportés depuis presque deux ans, qui est sur notre conseil d'administration, qui est ici ce soir. Guillaume Amblard, qui est un ex-banquier de la BNP, qui s'est reconverti. Moi, j'adore ça, ces histoires. Merci, Guillaume. Je ne sais pas si tu es, es, ah, oui, es là. Donc, euh, si vous voulez euh, lui parler, euh, il est sur notre conseil d'administration. C'est un bon copain, puis c'est euh, 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 avec lui que je discute pas mal des stratégies et quand je suis bloqué, quand j'ai quand j'ai envie de péter un plomb, ben, je ne pète pas un plomb avec nos, euh, nos collaborateurs, c'est avec euh, Guillaume que je pète un plomb. <laughs> voilà, voilà. Euh, <laughs> alors, mais, mais quand on parle de… Donc, revenons au sujet. Donc, comme dans les, euh, les salles de cinéma, la, le programme principal. Mais c'est quoi… de quoi on parle quand on parle d'une révolution, une révolution du secteur financier? Ben, en effet, si on regarde les chiffres de marché, on pourrait dire que les choses vont assez bien. Parce qu'en effet, on estime que la finance responsable atteindra 41 000 milliards en 2022. Puis du côté des régulateurs et puis des organes de standardisation, bien, on s'excite, c'est l'effervescence, on est en train de consulter, on consulte, on planifie, on consolide, on améliore, que ce soit TCFD, SFDR, CSRD, euh, bon, on en perd nos latins nous-mêmes, même nos analystes en perdent leur, perdent leur latin des fois. Euh, euh, taxonomie européenne, on avance de deux pas, on recule de quatre, etc. etc. Mais si on regarde des chiffres euh, des scientifiques puis des économistes, ben collectivement, on recule sur à peu près tous les fronts biodiversité, environnement, répartition des richesses, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le monde de l'impact les outputs sont, sont là, mais les outcomes n'y sont pas, c'est-à-dire les résultats. Beaucoup d'efforts mais les résultats ne sont pas. Donc, cette révolution qui, qui doit s'opérer, puis qu'on sent qu'elle doit s'opérer, euh, et qui est celle de tenir en compte des impacts environnementaux et sociaux pour le secteur de la finance, elle reste entière et elle reste à faire. Donc, c'est un peu le sujet. And uh, to, uh, to discuss this, uh, I'm switching in English because the two uh, new, uh, 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 new speakers uh, are one in New York and no, one in Montreal and the other one in New York, I think in the United States, uh, we'll be uh, uh, discussing uh, exactly these uh, challenges that we have. And we have some influencers, some major uh, change makers, but also some practitioners. We have a banker, we have an asset manager, we have someone investing uh, uh, through uh, uh, a public vehicle, and we have also um, someone that uh, looks at and research about uh, measuring impact. So so this is where we're going and uh, uh, we have Ronald Cohen which is pretty uh, uh, much uh, known in this uh, this market. He's uh, the one that is was kind of our parrain of this event. Uh, he's uh, he's is chairing the global steering group for impact investing. Unfortunately for a last minute uh, uh, problem he couldn't make it live. So he uh, he uh, recorded a video a short video that we'll start with. He's putting the table He's setting this pace. He's giving us uh, the uh, the uh, the space in which we'll be discussing and the challenges we're talking about. After that, it's Chantaline, who's uh, based uh, uh, usually in New York, but she's uh, a Montrealer from. Uh, 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 from uh, she's, she's born in Montreal, and over 20 years uh, she has international involvement in sustainable development at NAFTA, at uh, UN, and she was there to help the SDGs become the language, the common language that we know as we know it uh, today. We have Robert Eccles, a major international influencer in sustainable and sustainability. I think everybody knows Robert. He's a writer and a professor at MIT, Harvard, Oxford. That, that's a bit, quite a challenge. Um, he's a chair of sasby and active. Uh, he was active at the Boston Consultancy Group. So we're very, very happy to have him. Uh, give uh, give us a few uh, few um, few lines and an impression of the evolution of this uh, this very uh, rapid uh, changing market. Uh, we have Jérôme Tavernier. Jérôme Tavernier qui est gestionnaire d'actifs chez, uh, chez uh, Vega, uh, qui est une filiale, une, pas une filiale, mais dans le groupe, uh, le groupe uh, Natexis, et puis qui est uh, évidemment adjoint à la direction, si je me trompe pas. De, de, du groupe Vega. Elise Leclerc, qui, est de la, qui a passé de la communication à la mesure d'impact et qui est, euh, comme vous le savez, euh, euh, directrice de la chair de la mesure d'impact. À peu près, euh, tu, tu nous diras un peu plus euh, ce, que, ce que. Mais ce qui était assez intéressant, c'est que j'ai rencontré euh, son collègue sur euh, Compostelle ce, cet été, qui était Thierry Sibieux, qui a pris euh, sa retraite, qui est aussi un influenceur ici euh, en France. On a Marc Wamser, qui est un un banquier d'impact qui est patron de la, la banque Wamser. On a Diane Mainville, finalement, qui est une spécialiste de l'analyse du risque et qui, qui s'est convertie à l'ESG, puis qui est aujourd'hui chez l'agence, chez agence française de développement, qui est un, une institution euh, étatique qui investit, et tu nous expliqueras un peu, et qui va nous, ils vont nous raconter donc entre la théorie et la pratique, les challenges et les défis qu'on a. Alors, sans plus tarder, euh, on va commencer avec Chantaline, qui va nous euh, pas Chantaline, mais on va commencer avec l'introduction de euh, Ronald Cohen. Pleasure for me to join you today at uh, this uh, discussion of uh, the role of finance in the impact revolution. And every few decades, we see major innovations coming to the field of finance. In the 50s, uh, we saw the measurement of risk, uh, which opened the door in my generation to the inclusion of venture capital and private equity and hedge funds within diversified uh, portfolios. Uh, we're going through something similar today. We're going through impact transparency coming to our financial system. Where the goal of companies uh, is no longer being perceived as just delivering profit, but delivering a combination of profit and positive impact. This is a major change which is going to lead to major disruptions, not just in the world of investment, but in the world of business. We've seen the SEC uh, already put on the table the mandatory publication um, of all impacts created by companies, all environmental impacts created by companies, including uh, from their supply chain. Uh, we've seen in the rest of the world the International Sustainability Standards Board being set up. To standardize the measurement of quantity impacts, both environmental and social. And we've seen the EU impose impact transparency on the investment world, in effect, making it impossible for an international asset manager not to conform uh, with EU directives. Um, because of the huge cost of being excluded from the EU market. So, we have very powerful drivers of this transparency, and the lever to achieve them is actually the lever of investment. Investors are driving change in our financial system. They are the ones who are requiring companies to get their environmental and social acts in order. And they are the ones who, by using this impact information and showing that it is stock price sensitive, as uh, the effort at Harvard Business School of the Impact Weighted Accounts Initiative has, uh, has shown. Uh, that companies that pollute more are worth less on the stock exchange. Investors, by highlighting these differences, create pressure on regulators to intervene and to create a level playing field for investors of every kind, where investors can receive information on the same comparable. Basis uh, which has been verified. And so I see this impact revolution being driven by investment today, which is changing the behavior of companies and leading regulators to enshrine this in new regulations. We went through something similar in 1933 after the Wall Street. Crash of 29, investors sat up and realized that they had been investing in companies without truly understanding their profitability because each company could pick its own accounting principles and there were no auditors to verify the numbers. Well, today investors are investing in companies in search of impact as well as profit with $40 trillion of. ESG uh, being channeled to um, achieve impact as well as profit. And yet, investors have no idea of what real impact companies are creating. So, I see impact transparency now on our doorstep, and it is going to enable us. And our economies to bring solutions to the huge social and environmental challenges we face. So, um, I'll, um, uh, if we can introduce and see uh, Chantaline and uh, Robert. So, uh, hello to you too. I hope uh, you hear us well. I see that uh, you're training uh, pretty much, Robert, uh, since uh, you've uh, left BCG. I see the picture uh, with the uh, yeah you that 's what you do great, and they shot hundred and eighty six kilos Paul it's one hundred and eighty six kilos. I can deadlift that <laughs> that's impressive. I knew that you were a um, uh, uh, shaker and mover, but uh, at at that point that 's uh, impressive, Robert. Uh, Chantaline, you're in Montreal. I heard uh, that's that's funny. I I was there two days ago, when you were in New York. Uh, it's, um, that's uh, we, we'll do something. We'll talk about our carbon uh, footprint uh, to uh, to make something about it. We'll coordinate better in the future. <laughs> yeah, exactly. <laughs> so I will uh, jump into it uh, right away with Chantaline. Chantaline, can you tell us more about this first this common language? That we have, which are the SDGs and on which you were on the battlefield for the last uh, uh, 15 or 20 years, and also how these uh, common SDGs we need to look at not only the environment aspects but also the social aspects as these two are intertwined. So, uh, up to you, and, uh, and uh, in the line of what uh, uh, Ronnie uh, was saying, I think that you have a few uh, insights to, uh, to share with us. Yeah, and I would like to pick right where you left it. So, uh, good good evening, everyone in Paris. Uh, nice to see you, or I <laughs> know I see the back of your head actually, but uh, <laughs> nice to be with you virtually uh, from Montreal. Yeah. So, Run left it at the social and environmental impact, and that the investors do not know now what's the environmental and social impact of their investment. And I would say it's more so in the social impact than on the environmental impact. I think we had the first green bond several years ago it's more than a decade now so we've learned quite a bit on the environmental side it's easier to measure renewable energy and energy efficiency than social impact so i'd say we're, we're better on the environmental side but what we have not done is stacking the environmental and the social issues together and i'll give you a very simple example that i often use if you create a renewable energy plant the centralized energy, renewable energy plant in the rural areas of india it has great impact because it allows for the, the rural development and the creation of job in these areas um, but if you ensure that women own that asset then you increase job for women, you increase, you decrease the gap between women and men wealth, um, and women tend to invest more in children education in their communities, and you achieve several of the SDGs at once. But we've not really learned to do that. I think a lot of companies are trying to get there. They're not quite there. And the work that you do, uh, Paul, in trying to measure those impact and having an, a clear indicators will help us get, get there. Now, in terms of your question of common language, we all notice we're facing trade dis disruptions right now related to the war in Ukraine on the heels of the pandemic, which are leading to food and, and energy insecurity, adding to the triple environmental crisis of climate change, biodiversity loss, and pollution. And we do. We're lucky in a sense, despite all these <laughs> avatar hitting us, because we do have a common language. We have common targets and goals that we've agreed in 2015. All of our member states have agreed to these goals, these 17 goals. We have targets. Uh, the, the private and financial sectors have already identified from the 269 target which one are relevant for the private sector. But what we need now is to use those to align more of the capital with these 17 SDGs and as I mentioned before this requires the social and environmental indicators and, and the social indicators as strong as the environmental one and and there's a an incentive to align Paul because there's no arm in al in aligning with the SDGs actually um, the third capital for as a force for good report just proved again that there's no cut in aligning with the sdgs and on top of it if we align there are trillions of dollars of business opportunities in addressing these complex uh, problems and increasingly there is a demand for esg competence on board and i will let bob talk about that because he's much more versed in this than i am but we all know there's going to require if we want to avoid social unrest Worldwide, following these the cost of living crisis, and if we want to avoid um, a lot of failed government, including because of social unrest, but also just because developing countries have to default on their sovereign debt because they can't help their population with the, the current crisis, as well as pay service their debt, as we increase interest rate in our countries, making it impossible for them to meet their um, commitment, we will uh, we will not have a a an environment where uh, that is is enabling for environment, and there's good news because um, in our word investment report 2021, we actually documented huge increase in sustainability focused investment product um, in sustainable fund. We have 2.7 trillion um, in 2021. Green bonds over 1.5 trillion. Social bonds 418 billion. Sustainable Mixed bond four hundred eighty billion, and sustainability bond more than one hundred and five billion. So it, we're getting there. There's instrument out there to help us, um, but these unfortunately are highly concentrated in Europe. The, uh, the U.S. only represent one percent of the total of these funds, and only for They still altogether represent only four percent of the global funds market, and. Um, there's a lot of greenwashing. And the, I think part of the reason why we're not seeing the impact is that some of them are branded as sustainable without having really an impact because they're more greenwashing than real impact. And third, and finally, they are basically absent from developing countries where they're needed the most. So we need to harness the potential for this revolution that you call on financial and capital flows to actually address these issues in, develop, in developing countries. I would, uh, if I may, I would have a question. Um, if, yeah, it's it's regarding the critics that we hear sometimes about the fact that the seventeen SDGs and the one hundred and sixty-four uh, uh, goals are not perfect and are, are not complete. What's what's your say on this in terms of these critics? Yeah, it's totally true. They are not perfect because they were negotiated by one hundred ninety-three government, most of several of them at war with one another. And yet, every single government found their red line in there. Each, each priority of each government on the planet is in there. And I remember uh, colleagues mentioning from the private sector that um, the SDGs and the voluntary national reviews that government prepare on uh, their um, uh, programs and policies to achieve the SDGs, which are called voluntary national reviews, are the best. Uh, forecasters of where the money is going to be. We all know we need blended finance. Well, if you look at the Voluntary National Review for, for France, you know these are the priority area where France will invest. So you know that if you are an investor, maybe if you go in those sectors, you have a chance of having a partnership with the government to advance those SDGs. You're not going to be alone. Thank you so much, and uh, feel free to uh, intervene before we leave, uh, Robert and uh, Chantaline. If you have any questions, uh, keep them in mind and pass me pass through. Uh, we can have two or three questions to uh, to our two great speakers. Uh, thank you so much, uh, Chantaline. This was uh, very interesting. I would go to Robert, and I would ask you, Robert, um, to give us a kind of your point of view. You've been around a, a couple of months in this sector, I think, and uh, I would like to. <laughs> I would, like to, um, I would like you to have us um, understand better where is the standard setters, uh, the regulation and uh, this evolution, and especially how do you view this debate about double materiality? first, and it is new debate about ESG wokism in the United States. Uh, uh, what's your views? Are we heading in the right direction? Will we get there? That's the main question. And, and what's the, the steps to, to get there? So, um, Paul, that was so kind. You said a couple of months. Usually, people introduce me, and they go, "Bob's been around a long time, which is like code word for Bob is real old." So I appreciate the couple of months. Um, I was thinking, Paul, why are you having me on this webinar? I mean, I'm the least expert of all the people on the panel, and I don't speak French. Then I thought, well, okay, maybe you want sort of a US perspective you were talking about with woke. So let me start with that, and then we can get into the single and double materiality. Because I think this woke thing is a much bigger deal. Um, just to put some perspective on it, uh, if you're following the United States, um, you've got Chuck Hagar, the comptroller in Texas, excluding financial institutions for not being fossil fuel friendly enough that includes blackrock which is the asset manager with the most oil and gas assets that it holds uh, you have ron desantis in florida the governor of florida who would like to be president who's passed es legislation there will be no esg in our pension funds i mean what does that even mean uh, mike pence uh, wrote an op-ed piece in the wall street journal saying environmental social and governance is this progressive left-wing movement to Enforce a political and social agenda on American companies. The Republican Study Committee wrote a memo, basically described ESG as the same thing, in a memo titled The War on American Energy Ground Zero. So you have got this huge, huge pushback on all the things that we're talking about in the United States. And kind of the good news and the bad news is that the United States is really big. We've got 40% of the world's market cap. The New York and the NASDAQ stock exchanges dwarf all the other ones. Our GDP, GDP is 25 trillion. The EU is 18 trillion. Seven of the top 10 asset managers in the world are based here, 14 of the top 20. They are all under tremendous pressure, right? Because of the political dynamics that are going on in the United States. It's like we're living in different worlds. The EU has got the EU taxonomy. They're seeing addressing climate change as an opportunity for competitive advantage. You've got the United States and a lot of parts of it denying climate change and even trying to move in the opposite direction. So I think we need to take this pretty seriously. Ronnie talked about the SEC. You know, it's not clear what that rule is going to be. It's going to get litigated. Um, I'm more optimistic about what's going to happen with the International Sustainability Standards Board you can't even use the word double materiality in the united states people would know what it means so what i would like to do is um, hopefully in a constructive way um, pose five challenging questions for you to all think about uh, because as i said everybody here is more expert than me and if my friend frederick Samama's is in the audience i'm sure he's going to disagree with everything i say but that's good you know he can speak for himself in french you know after i disappear um, but i but i think these questions need to be addressed because of what's going on with this anti-woke movement in the United States. The first one and I don't mean to be Cassandra, as I said I want to be constructive. The first one is what are realistic expectations that we can expect from the financial sector for what the theme of this conference is, the things that Chantel was talking about. Right now that's really being challenged in the United States. It's saying we're expecting the capital markets to do too much. You've got pushback on the SEC, whether it's got the authority to issue this rule and this thing called the major questions doctrine, which you don't have to worry about. Um, this whole issue of fiduciary duty, it's become sort of an ideological pawn being defined in different ways. The right goes, No ESG, you got to focus on returns. I go, If you want to focus on returns, you need to incorporate ESG. You can't have a rational discussion because it's an ideological one. So, as a practical matter, I think we need to ask the question what is it realistic to expect? particularly given the importance of the U.S. asset managers, the banks, um, the size of the capital markets of what U.S. institutions can do and the institutional constraints that they have now. And what would you need in terms of regulation, either clarifying fiduciary duty, uh, having a carbon tax or whatever? So kind of first question, what's realistic to expect from the financial sector? The second, and it's kind of in a funny opposite thing, is... Um, is the financial sector too big? Does it have too many products? Does it have products it doesn't need? That was more of a discussion a while ago than now. But the person you should have in this webinar is my oldest daughter. She's a partner in a fixed income hedge fund. She trades in the carbon markets. And I was talking to her the other day. She goes, This is crazy. You've got carbon credits trading up in the markets just because they're being traded. And not because it's making any difference to the decarbonization. So Chantel referred to the greenwashing. She's absolutely right. You've got these products that have come out. It's like crazy. 10 years ago, you go ESG, nobody knows what it is. And we don't like it because it hurts returns. Then, you know, research is done, the stuff that Ronnie was talking about. Then this dangerous thing happened. People said, OK, I can make more money, you know, off of ESG integration. I think that's true. There's evidence on that. They took it a step too far. It's the impact stuff that Ronnie was talking about. You can make the world a better place. ESG integration and impact are different things. ESG integration the company's the unit of analysis. It's enterprise value creation. Impact is positive and negative externalities. That's what Ronnie's trying to do with my buddy George, in the impact weighted accounts initiative. So these funds come out, and they're going. Look, you can make more money, and you can make the world a better place. The planet's greener. You know, more more equality in society you know who wouldn't take that trade it's just not true and there's trade-offs in these different objectives so i think you know we need to ask ourselves the question the products coming out of the banks are these green bonds how real are they or not so there's this question of how authentic are the products and the services that are coming out of the financial sector the third uh, and this may be um, heresy to people in the audience i'm increasingly troubled about all of these net zero commitments i get the g fans thing I understand what they're saying, but I'm like, man, who's accountable? So, companies can go out and make net zero commitments, and you've got the investors who are going to hold them accountable. Although 2050 is four or five CEOs out, but presumably there's a board of directors and they're paying attention, and that's kind of an open question. So, these organizations, the asset owners, the asset managers, the banks, the insurance companies, they're making these commitments. I don't know what the accountability mechanism is. Okay. And if there was an accountability mechanism, I don't know how they're going to do it. What are they going to do? They're going to divest their high emitting assets. I'm not down with that. You know, I'm more in the category of engagement. So, okay, you've divested it. Somebody else bought it. So, I don't really know that that does much. If you're small, you can decarbonize your portfolio. That's not the same thing as people say about decarbonizing the world. And so, I get the intent. You know, I get the motivation. Um, but do these net zero commitments and gfans and all the elements of gfans uh, are they going to get you there which gets me then to engagement so if it's not divestment is it going to be engagement i think there's opportunities in engagement there's opportunities doing engagement at a company level i think there's opportunities for thematic engagement i was talking to a friend of mine the other day at one of the top five asset managers so it's obviously local in the united states um, there's not enough of that being done, in my view. You've got sort of activist hedge funds like engine number one, their famous campaign with you know ExxonMobil, and I was kind of part of that. But, you know, do we really have enough engagement, not just by asset managers, but then you've got to think about the relationship between the asset owners and the asset managers who are kind of passing the buck to the asset managers. I think the asset owners are they're making their net zero commitments, and then they kind of give these asset managers mandates that are fairly short term and don't factor into in what these goals they have or what they want to pay them to do engagement. So there's this question of engagement not just by asset managers the bankers when they're putting out these loans they're doing the green bonds you know they're doing the deals they're doing the ipos i think you need to have a much broader sense of engagement if the financial sector it's not just the products and the assets it's the engagement that's being used when you make the decisions on these products and how the assets are being committed you know with the companies that they're dealing with so there's this question of how do you basically scale up engagement across the whole financial sector then my last question, and I'll stop, is even if everybody said we want to do that, are the skills there? I don't think so. You know, bankers are still kind of bankers. Some of them know what ESG is. Some of them don't. I think the reinsurance companies tend to be pretty good. You see the asset managers that are trying to get the portfolio managers, as opposed to the ESG proxy voting people, are trying to get them to incorporate ESG. They're all confused about the difference between ESG and impact as I talked about earlier. So I think there's this whole challenge, even if we can agree to the importance of engagement and putting more emphasis on that than so far the rhetoric has been, as I see it around divestment, if you made that commitment to engagement across all the different parts of the financial sector, what do you do to build the skills and capabilities uh, amongst all those people, the thousands and thousands and thousands of people? To be able to execute on that when they're allocating capital. So with that, Paul, I'll stop. Super interesting. So talking about the real subjects and the real uh, issues, we have a few there. Five big questions. Um, I would ask you the first and uh, a first question, Robert. How do you, uh, what's your views on how we should deal with uh, what's happening in the United States if there's a huge backlash? but how can we contribute uh, us or practitioners here out of europe or other pr pr practitioners in the united states that are, believes in this transformation what what would be your first yes you have these five questions we need to answer so we'll, we'll have an interesting uh, discussion with a glass of wine and champagne uh, count on us but uh, what what is your what would you be your approach to to making sure that Yes, you 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 write a lot. You you intervene in LinkedIn. I, I follow everything you you write, and that's that's one thing. But concretely, how would we make sure that the wind doesn't blow us in the face? Look, it's it's a really good question. It's a central question. Let me tell you what I'm doing. I think it's a harder question to say what Europe should be doing. Um, so the real short version of the story is that I wrote this piece, "Grift Capitalism," and a GOP friend of mine wrote me and said he didn't like it. Um, and so we said okay we've got to like find a common language and i now have my gop outreach campaign i'm going out of my way to make friends with republicans and i don't know many republicans but i'm doing it and i'm making some progress what i've found is that when you get republicans in private the ones that aren't crazy that robert for just drama. for the sake of everybody what is a is gop ah the republican party i'm sorry okay. i'm being too local there's so the republicans robert and the is getting party. and trying to make friends with the republican party so I'm going out of my way to make friends with Republicans and trade associations and stuff. And I think what needs to happen is you need to change the conversation. Climate change, DEI, those are like trigger words here. So I think, in, and in some ways, it's like unfortunate, but you have to talk. Although this has happened in Europe, energy security, U.S. competitiveness—you know, the whole war, you know, in Ukraine that Russia started that they're losing—is uh, clearly made a big impact. When I talked to my my lawyer friend that I wrote this piece with, called turning down the heat, separating material ESG risk disclosures from salient policy issues, he says, Bob, sustainable all the things we're talking about. So Bob, sustainability is absolutely fundamentally. So when you when you say sustainability to a Republican, they think AOC Green New Deal, they think Europe, they think Marxism, and we don't like any of it. Okay, we don't we don't want to have anything to do with you people so it's like okay well that's not particularly constructive but that's the reality so i think if i was and right now kind of europe has got to make a decision are you going to pursue this as competitive advantage or when you have because you've got european asset managers that own stock in american companies i'm just looking at the us i think if we could find sort of a change in language in a way to have the conversation that's more on issues rather on terms ESG is dead, you know, it's been obliterated by the Taliban and the flat earthers, as I wrote about. Um, I think if we could kind of talk about issues that manage to people, I think what Chantel was saying about needing a better integration between the environmental and social issues is absolutely right. I mean, you can sell that in the red states. You can go, look, we need to have an energy transition, but all these people that are fracking to oil and gas, you know, they need to make a living, you know, they need to be able to support their children, they want to send them to college and stuff. And I think if we could get away from labels. Sustainability is maybe okay. Impact is complicated. ESG, I think, is dead. If we could find ways to have a conversation around the issues rather than the names and the words, uh, that would be a good thing to do. You come back to a fundamental uh, uh, solution is having a, a storytelling involved, and uh, that entices and touches people essentially that's what you you're talking about. Story storytelling is a good way to put it. I mean I think we need to have a different narrative than than what's happening now between more within the United States between kind of you know the super left and the super right where it's just an ideological war and the right is using ESG as part of a political campaign along with abortion and gun rights and you know the EPA decision and things like that. Um and, and, and but you but you do see this very if you look at what F Frag is doing you know going doubling down on double materiality look at the ISSB. Uh, I think the SEC is just going to be hung up in the courts for a long time uh, it's it's a very it's a very challenging time and um, perhaps a little bit more not pessimistic maybe more realistic maybe than than Ronnie and some of the things he's saying he's a friend of mine so he and I will talk about it when you're living here. It's like crazy, man. Well, thank you very much. I would uh, take two questions from if uh, there's uh, um, maybe uh, someone. Um, oui, Marion. So you'll have two questions coming from the audience, uh, but uh, it was fascinating to hear both of you with your point of views. Um, uh, Chantaline, do you have a, a question that you could ask uh, Robert? Because he was referring uh, to uh, what you were saying a lot on the uh, uh, the new stacking of uh, environment and social uh, uh, objectives, not only having one, but it, it it's part of the storytelling or the new narrative that we are uh, talking about yeah i do actually and robert i'll be curious to see um, when you stack the ens oftentimes we you know there's there's the job part but there's also the gender equality does the gender equality as still some traction in the us And that's also taboo if you were to stack the two you know it's a good question i think you can i think gender equality sort of fits within the sort of ideological and political dynamic I think you get to racial equality, and it's much more complicated. Mm -hmm. So the question: If uh, it, tell mm. me if you uh, you hear us, go ahead. Hello, can you hear me? Yes. Great. Um, Name so, yourself and uh, yeah, where are you so from. Ladis, so Ladislav Milla, uh, MBO and Co. Private Equity in France. Uh, I work in sustainable finance for quite a while now. Uh, Robert, you seem to be quite enthusiastic about uh, engagement, and when are you not so convinced about uh, divestment? Uh, well, from my perspective, until now, engagement campaign main result tend to be more on transparency rather than on real change in the economy. And at the same time, I cannot say that divestment has a great track record. But uh, when I see the strong reactions we have from the Republican states and even CEOs from oil and gas company, I wonder whether we are not maybe we are touching on something. And that uh, if uh, it reach a certain momentum, and a certain level of divestment, maybe it could, re it could lead to real uh, life uh, impact. So, yeah, I would like to have your view on that. And is divestment so useless? Uh... So I think I heard most of that. Look, it's a really good question. I did a paper with a guy named Shivaram Rajgopal um, and Jingyi, where we looked at so called sin stocks, and we had only gas as a sin stock. It's a very complicated empirical paper. And I can get it to poly can send it around. And we basically, for you know, all these sin stocks, tobacco and alcohol and, and oil and gas, there was a couple others. We didn't really find you know, any effect, you know, from the exclusions. And if you look at, so I've studied ExxonMobil a fair amount. Um, man, they're doing fine. You look at their last investor presentation, you know, a lot of nice language about you know how they're dealing with the energy transition, $100 billion in free cash flow. You know they're not investing in new oil and gas because they want to have more money for kind of dividends and stock buybacks, and so um, I fail to see, in the case of the oil majors, that exclusion is making any difference whatsoever to their profitability. I think long term, it's not positive. But then you get into the basically national oil companies like Saudi Aramco, and they'll be the last man standing. So even if you were able to get sort of major business transformation in the in the Western listed oil companies, then you still have all these others that are kind of in the bad actor states, and so um, I find that sort of problematic. And I don't see how, you know, divestment or engagement really changes either of those. I think your point about, um, you know, the engagement has mostly been about transparency. I think that's a good point, as opposed to sort of transforming the business model. And then that gets to the point that Chantel raised earlier. Do you have the competence on the boards that you need? So if we're going to focus on not just oil and gas, but steel and cement, sort of high emitting sectors, you know, do you have the competence on that board of people who understand the sector, understand the industry, um, and understand the need for a transformation and what it is that they have to go through? Crazy thing about ExxonMobil is, you know, there was all this, you know, Heming and Hein over Sturman drawing Mike Pence, three environmentalists put on the board. You know what they did, engine number one? They put three people with oil and gas experience on the board of directors. They didn't put bloody tree hugging environmentalists the way Mike Pence is claiming. They'd never had board directors that knew the oil and gas industry. They just signed off on whatever the CEO wanted to do. So I think to address your question, for engagement to be effective, there's got to be someone on the other end that you can engage with. And it can't be an imperial CEO like we've got in the United States. You have to have a board, it's got to take the longer term view of the interest in the company and the shareholders. That does what's necessary to be pushing the CEO to exec, set executive compensation, so the investors can't do that by themselves. But then they have to weigh in to the extent that they can, and that varies by jurisdiction in terms of who the people are on the board. But I'd love to get if we had a chance to get Chantal's response to that because I'm sure you're thinking about it. So if you want to intervene before we close the, uh, the online international uh, section of the uh, the presentation, Chantal, do you, do you have a view on what he just uh, we just discussed? No, no, I think I think uh, the point about the engagement being mostly transparency is, right? I think there are a lot of companies at this point that are trying to crack that knot of of you know, what we're seeing, for instance is, is uh, even in the US, um, the big companies, of course, they're the multinational, but that are creating innovation lab within their own walls. Um, so that they can address the environmental economic and, and social issues with you know like um, you know like with 3d printing but that happens and it, it, it and the, it trickles down to the operation because they literally hired somebody from the operational side that can see the innovation that can lead to actually making money while doing good uh, otherwise you're always going to have that trade-off between the two if you just try to patch on um, so yeah I think, I think it, it's making its way. And then some of the companies, as you know, in the US, what they're doing, they don't have, even in Europe, they don't have the in house capacity. They're, they're buying the smaller company to bring that culture and that skills that Bob was talking about. Um, but we're going to need more, 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 more on those skills. And how are we changing our business school to address these issues? We're still training folks. You know, we did a study at UNCTAD where um, only 15% of the case studies are from developing countries there's absolutely nothing yet on you know all of these what are the what are the business models that support these transitions we don't know and we, we're not teaching it we don't so we're not going to have the talent to help us throughout the transition unless we address that systemically it's a good leeway we have a scholar here that will intervene so We'll ask uh, the question of why is a major uh, school here not uh, imposing this responsible finance course? That's a great question to uh, be asked. So uh, thank you so much, Robert. Thank you so much, uh, Chantaline. And uh, it's uh, still uh, early afternoon, so you'll have the rest of the day to be productive. Here we'll uh, think of you while we have a, a glass of champagne in our hands. But definitely, you have a, a few food for thoughts. So thank you, Robert. And yeah, please send us the, uh, this article. And uh, Chantaline, if you have also some, some paper that uh, we'll, we'll share with, uh, with uh, the people that uh, have registered. Okay. Thank you so much. We'll do. Merci we'll do. Merci so much beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Yes. Okay. Thank you. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. C'est incroyable. La tech a marché. Ouf. Donc, la technologie, des fois, ça marche uh, une fois sur deux, mais. C'est euh, bon. Je, je l'ai laissé parler un peu plus longtemps parce qu'il était parti sur une piste où, à mon avis, moi, je, je pense que c'est un vrai débat là, de, de ce qu'il ce qu traitait. C'est un vrai sujet. Alors, sans plus tarder, je vous inviterai, euh, vous quatre, Marc Wormser, Élise, Diane, puis Jérôme. Oui, prenez le petit banc pour pas… Euh, si on est très moderne. Je vais, je vais tout de suite inviter Marc à euh, prendre un micro. Et on va aller tout de suite dans le pratico-pratique, mais je pense que c'est intéressant de, de traiter quand même la, les sujets euh, qui… Il y a cinq questions que je, que je trouve qui sont pertinentes. « Are we asking too much? Hein? » First question. Uh, « Too many products that are not quite delivering the goods. »« Transparency and accountability. »« Engagement puis skills. » Je trouve que c'est tout de point. C est, c est sans, euh... Donc Marc, à toi la parole. Merci Paul. Euh, bonsoir à tous. Euh, je, je, je suis ravi de, de pouvoir participer. J'espère pouvoir répondre en partie en tout cas à quelques-unes de ces questions-là. Euh, donc je suis Marc Wamser. Euh, je suis arrière-petit-fils, petit-fils et fils de banquier. Euh, donc, <laughs> ça vous surprendra peut-être pas de savoir que je dirige avec mon frère la banque qui a été fondée par notre arrière-grand-père, mais la continuité familiale était un des éléments qui m'a poussé à rejoindre la banque, mais euh, ce n'était pas le seul, parce que sachez que je suis aussi arrière-petit-fils, petit-fils et fils d'entrepreneurs qui ont tous eu comme moteur l'intérêt général et ont utilisé leur banque, notre banque, comme un outil pour être un rouage utile et positif à la société. Euh, la nature était toujours quelque chose qui m'a passionné. Je n'ai jamais été insensible au changement climatique, donc je me suis renseigné sur ce que c'était, sur les causes, les conséquences, à la fois environnementales et sociales, on l'a dit, les deux sont liés, euh, mais aussi sur les solutions pour y faire face. C'est pour ça qu'on est ici ce soir. La finance a un rôle clé à jouer et on en est tous convaincus ici. C'est donc. Euh, la meilleure façon pour moi euh, de, un, de mettre ma pierre à l'édifice, c'était de rejoindre la banque et de l'utiliser comme un rouage utile et positif pour essayer d'apporter des réponses à notre échelle, évidemment, euh, aux défis majeurs que nous, euh, auxquels nous faisons face aujourd'hui. Alors, juste pour bien comprendre, je vais vous donner le, le métier de notre banque aujourd'hui. On est une banque privée, on accompagne nos clients entrepreneurs famille euh, professionnelle de la finance et de l'immobilier sur une approche globale à la fois sur du crédit, crédit immobilier, crédit aux entrepreneurs, crédit aux start-up, euh, mais aussi sur des placements, sur toutes les classes d'actifs, actifs cotés, euh, euh, private equity, venture capital, venture debt euh, et euh, aussi l'immobilier. Donc notre métier mais c'est le métier de toutes les banques, c'est de transformer des dépôts en crédit, et d'accompagner les épargnants euh, dans leur choix de placement. Donc on a la capacité, en tant que banquier, de flécher l'économie, de flécher l'épargne. Et si on, les, si on la flèche vers une économie plus durable, euh, on, on a cette capacité-là d'essayer de répondre en partie aux défis que l'on a aujourd'hui. Donc j'ai voulu essayer de mettre comme ambition euh, à la banque, et donc la banque Vampser aujourd'hui, nous avons comme ambition. Malgré notre taille, d'être un acteur de référence de la finance durable. Donc, on a pris, en, pour vous donner un petit peu les, les, le chemin qu'on a parcouru, c'est ce que m'a demandé Paul, d'essayer de, de parler de cas pratiques. Euh, on a commencé par mettre en place des mesures il y a un certain nombre d'années, euh, qui étaient de faire investir nos clients dans des startups à impact, de prendre en compte les critères ESG dans nos décisions d'investissement, d'aller au-delà des critères ESG en créant un mandat euh, d'investissement durable sur les actions cotées. Toutes ces mesures avaient euh, allé dans le bon sens, clairement. Euh, mais pour nous, ce qui manquait, c'était une cohérence globale et une approche systématique. Donc, on a commencé par faire un bilan. Un bilan. Euh, évidemment, on peut commencer par le bilan carbone. Euh, chose intéressante pour une banque 95 de, de notre bilan carbone. Mais je suis sûr que c'est vrai pour toutes les banques. Les anciens banquiers pourront en témoigner proviennent de notre, Les émissions proviennent de notre scope 3, c'est-à-dire des crédits que nous faisons et des investissements que nous faisons pour le compte de nos clients. Nous avons aussi fait un bilan social en prenant en compte toutes les parties prenantes, à la fois nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires, nos actionnaires. Et on est arrivé à un plan global que je vais essayer de vous, de vous démontrer. On est en train de le mettre en place. Tout n'est pas mis en place, mais on a déjà pris un certain nombre de mesures concrètes. Déjà, on a voulu... Euh, raisonner sur, sur le, des notions d'impact. C'est pour ça que c'est notamment un sujet très important pour nous. On a voulu réduire nos impacts négatifs. Donc Pour réduire nos impacts négatifs, euh, comme j'ai dit, on a pris en compte des critères environnementaux et sociaux dans l'ensemble de nos décisions, à la fois d'investissement, mais aussi sur nos crédits. C'est des choses qu'on est en train de mettre en place. Euh, on parlait de... De non-investissement ou de désinvestissement. De, euh, J'ai hérité d'une banque, on a arrêté d'une banque où aucune des générations passées n'ont investi un euro dans les énergies fossiles. Euh, bon, on va, on va continuer comme ça, ça nous paraît, ça nous paraît bien en tout cas. Euh, Au-delà de la réduction des impacts négatifs, on a voulu avoir des impacts positifs. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est que sur chaque classe d'actifs, actions cotées, private equity, immobilier dont on a parlé, on propose à nos clients qui veulent aller plus loin des investissements à impact. Pour nous, l'investissement à impact, c'est avoir, si on prend sur le choix des entreprises, que l'entreprise ait par son activité une exposition dans la résolution des objectifs de développement durable dont Chantaline a parlé tout à l'heure. Euh, ça, c'est quelque chose qui est euh, évidemment extrêmement euh, important pour nous. Euh, Au-delà euh, de, de cette réduction des impacts négatifs, cette, euh, cette augmentation des impacts positifs, ce qui est important aussi, c'est de promouvoir, de parler de cette finance durable pour essayer de la faire adopter à un plus grand nombre. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on fait ce soir. C'est pour ça notamment que je suis là. Euh, c'est aussi pour ça qu'on co-anime avec Paul un podcast qui s'appelle Enquête d'impact. Je vous invite tous à, à écouter. Euh, c'est quelque chose qui fait partie du plan et qui est quelque chose de très important pour nous. Euh, on a des exigences fortes vis-à-vis -vis de l'ensemble des entreprises dans les, à qui on prête, des entreprises dans lesquelles on investit. Donc ces exigences fortes, il faut qu'on les applique aussi à nous-mêmes. Et donc dans notre fonctionnement interne, on a mis un, en place un plan de développement personnel et professionnel des collaborateurs. On parlait de la formation et des compétences. Euh, évidemment, la partie euh, sur la finance durable fait partie euh, des formations que l'on donne à nos collaborateurs. On aura notamment un séminaire dans, dans deux semaines où on va former l'ensemble de nos collaborateurs, les sensibiliser notamment sur la partie climat. Euh, <coughs> Au-delà de ces, 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 cette partie interne, enfin, pour que le plan soit, euh, qu'on soit tous d'accord sur ce plan-là, notre but euh, c'est de communiquer avec un maximum de transparence. Euh, et donc pour communiquer avec un maximum de transparence, on s'est fixé des objectifs, des indicateurs précis sur lesquels on va communiquer euh, et on va communiquer dans le temps pour que tout le monde puisse suivre l'ensemble de nos engagements. Euh, et c'est donc comme ça qu'on essaye à notre échelle de devenir un acteur de référence de la finance durable. Peut-être, alors, je ne sais pas si ça va répondre à la question principale qui est comment révolutionner, euh, réussir la révolution du secteur financier, mais pour moi, il y, y a trois éléments clés qui sont extrêmement importants et on en a parlé, euh, les, les, évidemment, les autres intervenants en ont parlé déjà. Il y a une première partie qui est la transparence, euh, donc avoir euh, un maximum de données, des données d'une qualité qui soit euh, la meilleure possible et que ces données-là soient bien analysées. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Un autre élément extrêmement important, c'est la cohérence et l'approche globale et systématique. Si on a s'il manque soit la transparence, soit la cohérence globale, c'est systématiquement une dérive vers le greenwashing. C'est euh, en oubliant la cohérence globale qu'on peut émettre ou investir dans une green dans un green bond qui réduit les émissions euh, d'un projet, mais si ce projet-là c'est par exemple, je prends l'exemple d'un documentaire qui est paru il y a pas longtemps, euh, une piste de ski dans le désert. peut-être que vaut mieux ne pas construire la piste de ski dans le désert plutôt que de, de, de financer les réductions des émissions de ce projet là. Euh, on parlait aussi de, de, de grands acteurs, de leaders mondiaux de, de, de l'investissement euh, et les plus gros euh, gestionnaires d'actifs. d'ailleurs, c'est robert en a parlé. Euh, parmi les leaders et les plus promoteurs de la finance durable, il se trouve que c'est ce, potentiellement ceux qui financent le plus les énergies fossiles et les projets d'extraction mmh. aujourd'hui. Donc là aussi, peut-être un manque de cohérence globale. Et le troisième point qui est extrêmement important pour réussir cette, cette révolution, c'est l'engagement, on y revient, euh, de l'ensemble des parties prenantes. Mmh. Euh, il faut l'engagement euh, de l'État, l'engagement des régulateurs. On voit tout le travail qui a été fait en Europe qui nous permet d'avoir... Un, un langage commun, des, des, des instances internationales comme l'ONU, mais il faut aussi l'engagement d'entrepreneurs, d'entrepreneurs qui poussent leur entreprise vers une économie plus durable, des entrepreneurs qui proposent des solutions innovantes, par exemple, qui nous permettent de mieux analyser les données d'impact, euh, et, et il faut aussi l'ensemble des, des, des parties prenantes, comme les clients, euh, comme les collaborateurs, comme les partenaires, les actionnaires, les investisseurs, qui poussent l'ensemble du système vers une économie plus durable. J'ai une question pour toi, juste pour euh, conclure, avant qu'on passe à, au prochain intervenant. Comment les clients, les clients dans ce monde qui bouge, euh, tu les perçois? Quelle est le, leur intentionnalité? Comment tu les sens évoluer avec euh, l'évolution de l'offre aussi? C'est quoi ta perception de tes clients? Alors ça fait quelques années maintenant que j'essaie de proposer à mes clients des projets euh, d'impact, ou en tout cas en prenant en compte les, 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 la partie environnementale et sociale. Et on voit qu'il y a clairement un changement de paradigme sur les dernières années. Euh, quand je parlais il y a euh, 5-8 ans euh, de finances à impact, euh, je, on me prenait pour un fou. Je, euh, on me disait bah, l'investissement c'est pour le rendement. Euh, si je veux avoir de l'impact, je fais de la philanthropie. Euh, ça, c'est quelque chose qui est en train de changer de manière significative. Euh, donc, on a de plus en plus de clients qui prennent en compte euh, ces, ces critères-là. Pour être transparent et, et, et sans langue de bois, euh, ce n'est pas encore la majorité. Euh, donc, on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais euh, c'est important euh, pour tout acteur euh, de la finance, c'est même indispensable d'avoir... Une politique euh, de, de finances durables, globale et cohérente, si on veut garder ses clients et en gagner d'autres. Et vous avez donc un rôle de, de formation, d'éducation, si, si, si j'entends, euh, si on veut les accompagner aussi là-dedans. Exactement, il faut aussi accompagner okay. nos clients qui, pour qu'ils comprennent bien l'ensemble, la façon dont on fonctionne. Mais mer merci Marc. Euh, on va passer au prochain, euh, sinon on ne finira pas avant 10 heures, mais euh, je pense que personne ne s'endort euh, pour l'instant. C'est pertinent, c'est bon. Ouais, j ai, j ai, ah ouais, non, non il, il, il pensait celui avec les lunettes, il dormait pas. C'est excellent. Donc on va passer tout de suite à Elise. Euh. Elise, qui est intéressante dans 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 ce mix aujourd'hui, on va parler de justement, on parlait des écoles, et j'étais, euh, j'ai marché quelques jours, j'ai fait 500 km sur la, le chemin de Compostelle avec son son collaborateur qui était Thierry Sibyude, qui est à l'ESSEC, professeur à l'ESSEC. Et il hallucinait de voir qu'aujourd'hui, en 2022, ce n'était pas encore un cours obligatoire que celui de la finance responsable. Donc, c'est une première introduction, mais je vais te laisser, Elise, parler peut-être un peu des tendances en termes de mesures, en termes de ce que vous faites et ce que tu vois sur le marché. Puis, revenir un peu à ces questions qui sont un beau fil rouge, à savoir la formation, les skills, l'engagement, etc. Comment est-ce que vous, tu vois les choses et puis comment tu peux contribuer à faire accélérer les choses? Merci. Donc, je vais essayer de répondre. Alors, sur la finance et la formation, en effet, euh, C'est pas encore un cours obligatoire, mais à l'ESSEC, ça fait quand même. C'est bon, on m'entend. <laughs> euh, on a quand même. Euh... Euh, commencer un cours sur euh, les impacts sociaux, les enjeux sociaux et environnementaux obligatoires pour tous les nouveaux étudiants de, de la grande école. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on qu fait maintenant de, depuis deux ans. Donc, moi, je suis Élise Leclerc, je suis directrice du laboratoire évaluation et mesure d'impact social et environnemental. On vient d'ajouter la partie environnementale justement parce qu'on euh, a vraiment envie de montrer que les deux sont indissociables et que donc, si on travaille que sur l'impact social, on risque de rater la dimension environnementale et vice-versa vers ça. Euh, et donc, à l'ESSEC. Donc, moi, ma formation à l'origine, elle était au Royaume-Uni. Donc, j'ai travaillé sur l'évaluation d'impact social euh, et notamment la méthode SROI, Social Return on Investment, donc la monétisation. Euh, c'est là que j'ai été formée euh, à Londres pendant dix ans à travailler donc avec euh, notamment les entrepreneurs sociaux. Et c'était déjà euh, très très répandu à l'époque. Tout le monde faisait, c'est devenu une loi d'ailleurs, c'est obligatoire pour les projets au delà d'un certain montant, de faire des analyses d'évaluation de, d'impact social monétisé, donc avec la, la méthode SROI la plupart du temps. Euh, ce qu'on fait au laboratoire et pourquoi est-ce qu'on l'a monté il y a quatre ans, donc avec Thierry Sibiode, euh, c'est parce qu'il y avait une forte demande des acteurs euh, en évaluation d'impact social en France. Donc ça arrivait. Hein, c'est une nouvelle discipline euh, qui vient surtout des pays anglo-saxons et qui a été notamment euh, menée par euh, la Banque mondiale, les grosses fondations philanthropiques euh, aux États-Unis et puis euh, au Royaume-Uni. On a eu euh, donc des lois et des, des guides, etc., pour harmoniser l'approche SROI. Donc ça c'est uniquement euh, au Royaume-Uni et en France, eh bien ça arrive. Et donc, en quatre ans, nous, euh, en tant que laboratoire, on a des demandes qui ont gro grossi. On a une quinzaine de, de partenaires avec lesquels on travaille. On, on refuse des projets de recherche toutes les semaines parce qu'on n'a on pas la capacité ni l'expertise. Cette question des, des compétences, justement, est-ce qu'elles existent En évaluation d'impact social, pas encore assez, mais euh, on y travaille. Et donc, nous, notre, notre objectif, euh, c'est euh, de travailler avec des partenaires du terrain, de faire un pont. Entre l'académique, euh, le monde académique et les praticiens euh, pour essayer de faire avancer l'évaluation d'impact social. Donc, notre vision, c'est que toutes les organisations puissent avoir euh, une comptabilité d'impact, donc puissent évaluer, mesurer leur impact social et environnemental pour le pilotage de leur activité. Alors, c'est leur activité, hein, donc leur core business et aussi leur, leur RSE, euh, de la même façon qu'elles euh, suivent leur comptabilité financière. Et pour arriver à cette vision, donc on travaille avec des partenaires, des grands groupes, des petites entreprises aussi. Euh, on les accompagne sur leur évaluation d'impact social. Ça nous permet, nous, bah, de créer de la connaissance, de faire avancer la recherche et ensuite euh, d'augmenter la capacité à agir du secteur en publiant des articles et en étant un peu les, les universitaires de, de service, comme ce soir, en, en diffusant la bonne parole et, euh, et en, en, en répondant euh, peut-être à, à des questions. Mais bon. Euh, nous, ce qu'on qu voit en fait dans les grandes tendances du secteur, on travaille notamment sur Finance for Tomorrow, pour ceux qui connaissent le, le groupe de travail, euh, où on est très impliqué euh, autour de l'investissement justement, euh, parce que les, les investisseurs sont un vrai levier pour changer euh, et ce vers quoi on tend. C'est vraiment une harmonisation de l'évaluation d'impact social. Chantal Chantaline parlait de, du fait que bon, bah, l'évaluation d'impact environnemental, euh, il y a quand même un certain nombre de standards qui se sont développés. Euh, c'est plus simple finalement parce que c'est des, des, des ingénieurs, des maths, etc. Euh, on compte des chiffres pour l'évaluation d'impact social c'est plus intangible, c'est plus complexe, euh, on est dans la transdisciplinarité et donc ça avance moins vite. Donc nous, notre, notre objectif, c'est vraiment de voir une harmonisation avec toutes les, les limites que ça peut avoir comme les, les ODD. Cette harmonisation, pour nous, elle passera par trois éléments. Euh, le premier, c'est, euh, comme le disait euh, Robert tout à l'heure, la langue, le vocabulaire, qu'on ait un vocabulaire commun et qui puisse passer par euh, justement euh, des discussions qui soient plus claires. Hein. Quand on parle d'impact, euh, on ne parle pas de RSE, euh, on parle de changement. Donc, de pouvoir euh, collecter des données sur un changement pour les parties prenantes. Euh, donc, peut-être que ça, c'est plus clair, mais finalement, si euh, euh, on, va, on va vouloir mesurer euh, son impact au lieu de, de mesurer le, la création d'emplois, bon, on va vouloir mesurer finalement combien de personnes euh, ont eu accès à un emploi qui n'aurait pas eu accès à un emploi sans l'activité parce qu'elles sont dans des zones où il y a peu d'emplois parce qu'elles sont éloignées de l'emploi parce qu'elles sont discriminées donc ça on parle de données d'impact euh, et ça va être très différent de ce qu'on voit actuellement dans les les rapports d'impact euh, ou dans les papiers qui sont écrits sur l'impact social donc le vocabulaire et la terminologie c'est un des, des, des éléments clés, qu'on parle tous la même langue. La grammaire, pour nous, c'est euh, finalement euh, les ODD sont une bonne base. Ils ne sont pas parfaits, comme le disait Chantaline, mais ça reste quand même euh, le, le, le cadre le plus commun à nous tous. Par contre, l'enjeu des ODD, nous ce qu'on voit quand on essaie de, de travailler avec des partenaires sur l'évaluation finalement, de ces impacts par rapport aux ODD, c'est qu'il n'existe pas d'indicateur de mesure d'impact et de changement qui permettent de vérifier qu'on s'approche des ODD quand on est une, une entreprise. Euh, et donc, on travaille avec des entreprises pour, finalement, euh, créer des indicateurs qui vont permettre de mesurer dans quelle de quelle façon est-ce que l'entreprise a un impact et qu'elle puisse se rapprocher de ses ODD Cerise travaille sur la microfinance avec le Social Performance Task Force pour ceux qui connaissent sur justement des indicateurs et on voit que pour un, pour chaque ODD ils ont trouvé un micro indicateur qui permette de mesurer le, le rapprochement de ses impacts et puis la, la, le dernier élément après le vocabulaire la grammaire c'est les maths on est très scolaire, euh, c'est la partie monétisation. J'en ai parlé au début sur le, le SROI, mais finalement, euh, l'argent, c'est le langage que nous partageons tous. Et euh, même si ça a beaucoup de limites et ça doit être contextualisé, euh, nous, on travaille sur pouvoir monétiser, montrer la valeur sociale qui est créée par euh, l'impact social au-delà de, des analyses de coûts évités, etc., qui se basent uniquement sur des prix échangeables sur le marché. Voilà, je m'arrête là. Non, c'est <laughs> super fascinant. J'ai une, une petite question. J'ai posé la même question de tout ce, ce, ce mouvement auquel je crois, qui est d'essayer de, de monétiser là où il y a des consensus. Donc, le premier euh, défi, c'est le consensus international pour monétiser des aspects euh, de, 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 environnementaux ou sociétaux. Euh, mais ma question vient au fait que, un, on peut pas tout monétiser. Deux, il n'y a pas de consensus euh, demain sur tout. Et trois, est-ce qu'on ne tombe pas encore dans ce, ce paradigme où tout se ramène à une devise, toute valeur se ramène à une devise Alors c'est le risque, euh, c'est ma question que j'ai posée aussi à Ronnie, j'ai posé à Robert Eclair, et, et tous ceux qui travaillent sur. Alors comment vous évitez qu'on tombe pas dans ce, ce non changement de paradigme en fait oui, alors c'est tout l'enjeu de, de, de l'éthique derrière la, la monétisation. Euh, en France, en tout cas dans le secteur social, la monétisation a, a, est, est encore très controversée. Alors qu'au Royaume-Uni, alors c'est un modèle différent, mais ça fait déjà 15 ans que toutes les associations caritatives monétisent leur impact social. Euh, c'est vrai qu'en France, il y a cette idée que ce n'est pas éthique euh, de donner une, une valeur en euros euh, à un impact social. Euh, ce qu'on voit malheureusement, c'est que si on ne peut pas trouver euh, avec toutes les limites et aussi toute la toute la retenue qui est nécessaire pour ne pas euh, donner, euh, par exemple, crédit à une valeur. Euh, la, la vie humaine n'a hein, pas la même valeur dans chaque pays. Pourtant, les assureurs, euh, je crois qu'en France, c'est 3 millions d'euros. Euh, mais quand on compte le nombre de morts sur la route, eh c'est ça qu'on prend en compte pour changer le, la limite de vitesse. Hein. Euh, donc, ce n'est pas nous qui euh, sommes les seuls qui travaillons sur la monétisation. Il faut savoir que euh, les assureurs, par exemple, vous le savez tous sans doute aussi, euh, travaillent à partir de monétisation qui sont très humains et très sociaux. Euh, donc nous, notre philosophie, c'est de dire, euh, finalement, si on ne le fait pas... Euh, c'est pas parce que ça n'a pas de prix que ça n'a pas de valeur. Euh, et donc, c'est très important de pouvoir quand même euh, mettre en avant la valeur sociale créée parce que sinon, euh, toutes les structures qui travaillent pour un impact social euh, et environnemental ne sont pas reconnues comme telles. Nous, on accompagne beaucoup d'entreprises sociales. On est une école de commerce. Euh, et les entreprises sociales, qui sont des SAS, hein, qui sont, même si on, on, on accompagne aussi des, des associations, euh, loi 1901, mais pour les entrepreneurs sociaux, pour leur modèle économique, et social, il est important pour eux de prouver qu'ils créent une valeur sociale, euh, même si finalement euh, ce ne sont pas des, des, des coûts qui peuvent être échangés sur le marché et donc qui peuvent être euh, mis dans un, un, un compte de résultats. Donc c'est vraiment l'approche, c'est de garder l'approche philosophique, mais quand même d'essayer et d'apprendre du processus. Merci Elise, il y aura sûrement des questions, mais on souhaite, euh, moi j'en ai encore, mais on va les garder pour, pour la fin. Bon mais ben, sans plus tarder Jérôme qui avait le soleil en pleine figure tout à l'heure donc euh, Jérôme qui est, euh, avec qui on a commencé à travailler il y a quoi deux ans déjà 2019 2019 me ouais ouais 2019 qui a été et euh, euh, qui va raconter un peu son son euh, euh, le parcours qu'ils ont eu euh, comment ils ont euh, progressé ou évolué ou, ou quelles sont les limites t'as sur le marché en exactement quel a fait. été le, notre, notre cheminement bonsoir euh, ben euh, moi, je suis euh, directeur de la gestion collective chez Vega Im. Vega Im, c'est une filiale du, du groupe euh, Natixis euh, qui gère euh, des fonds, des mandats dans une approche patrimoniale. Et jusqu'en 2019, jusqu'en euh, 2019, le prisme sur lequel on voyait l'investissement durable, c'était plutôt au travers de notre métier historique de sélectionneur de fonds. Donc ça nous a passé, permis de passer un peu. En revue ce que faisaient les autres, les diverses méthodologies. Et à l'époque, avant 2019, on va dire, on était plutôt sur un marché de niche, de spécialistes de l'ISR, de l'investissement responsable, avec des méthodologies diverses et variées, pas toutes aussi performantes les unes que les autres, pouvant être sujettes à caution. Ça ne nous avait pas incité, nous-mêmes, dans le cadre de notre gestion d'actifs, à proposer ce type de fonds. En 2019, bah, on a rencontré Paul, hein, qui nous a sensibilisés avec euh, avec Impact Finance euh, à la notion d'impact. Euh, on a on a commencé à, à nager dans le monde des, des ODD, des des controverses Z. Et c'est vrai que c'est une méthodologie qui correspondait assez bien aux remarques qu'on s'était faites en analysant les autres. C'est-à-dire que là, on avait une exhaustivité de l'analyse au travers de l'ensemble des ODD, une espèce de cartographie de l'ensemble des entreprises. On ne choisissait pas juste l'activité qui répondait bien à des critères durables ou ISR. Cette exhaustivité était standardisée. Et puis, on avait effectivement euh, ces notions d'impact positif, mais aussi de mitigation des, des impacts négatifs, hein, qui permettaient euh, d'avoir une, une vision, euh, on va dire, euh, plus, plus réaliste en fait, euh, des différents impacts des, des entreprises. Donc, on, suite à ça, bah, finalement, euh, comme le disait Paul, euh, finalement, vous avez de la chance, vous n'êtes pas engagé trop tôt. Vous accédez directement au web sans passer par le minitel donc euh, effectivement c'était plutôt une bonne nouvelle à, à l'époque et on a lancé un, un fond qui, euh, qui utilise toujours cette méthodologie hein, qui s'appelle Vega transformation responsable un fonds thématique euh, basé sur la, la transformation écologique et la transition énergétique mais en utilisant la notation d'impact à l'intérieur à l'intérieur de ce fond. Donc effectivement, on était extrêmement euh, ravi avec Marc Ries. Euh, on avait l'impression d'avoir pris de l'avance, d'avoir pris un, un raccourci en quelque sorte et d'avoir évité euh, finalement l'étape ESG qui était euh, soumise à, à controverse. Euh, néanmoins, bah, on s'est vite rendu compte qu'on était dans un environnement justement par rapport à toute cette dynamique extrêmement mouvement. Et très rapidement, bah, finalement, ce qui apparaissait un peu obsolète comme les labels ont été revus. Euh, la demande du marché s'est positionnée très rapidement sur, euh, sur l'ESG et c'est devenu aussi euh, incontournable. Donc, euh, bah, on avait beau avoir le web, hein, il a fallu quand même ressortir le, le Minitel du, du, du placard. Très concrètement, euh, début 2020, fin 2019, on s'est rapidement rendu compte que si on n'avait pas une offre ESG labellisé ISR, ben finalement, ça devenait non plus quelque chose qui était une niche, mais quelque chose de central dans, dans le marché. Et donc, si on n'avait pas cette offre nous aussi, on, on ne serait plus compétitif dans le marché. Donc, on a on a fait labelliser nos fonds, les principaux fonds de notre gamme, 75% de nos encours de, de gestion collective avec le label ISR en adoptant une méthode ESG par l'approche par les risques, en fait, essayer pour chaque entreprise euh, dé déterminer son niveau de risque ESG, puis de le minimiser dans le cadre des contraintes d'un label, de façon à continuer de manière pragmatique, tout en croyant à l'impact comme quelque chose, quelque part, de supérieur à l'approche ESG traditionnelle. Mais néanmoins, on, on avait besoin, pour des raisons extrêmement pragmatiques et pratiques, bah, de répondre aussi à la demande du marché et de continuer à être dans le marché. Donc, euh, bah, on a fait un peu les, les, deux, les deux en parallèle, le Minitel et, 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 et le web et la 5G, même si la bande passante ou même la demande des Clients n'étaient pas encore là complètement pour, pour l'impact. Quelle leçon on a tiré de ça C'est qu'il n'y a pas vraiment de, de raccourci, de bon ou de mauvais chemin pour, pour aller vers la finance responsable, d'autant plus qu'on le perçoit tous. On est dans un, un, un monde, un environnement, un écosystème, je dirais, en pleine évolution, hein, notamment réglementaire, et qu'il faut à chaque instant essayer de s'adapter au mieux à ces nouvelles exigences de manière rigoureuse, mais aussi extrêmement extrêmement pragmatique alors on le dit à chaque fois qu'il y a de nouvelles réglementations et, et il y en a beaucoup on va essayer de faire un levier en fait de ces nouvelles exigences pour se démarquer pour euh, réfléchir sur nos méthodes euh, sur nos fonds sur nos stratégies pour euh, pour se différencier par rapport euh, par rapport à la concurrence hein. très typiquement il y a une réglementation euh, européenne sur la classification euh, des fonds euh, euh, suivant leur degré euh, d'incorporation d'investissement euh, durable, hein, les fameux articles 6, 8 ou 9. Ben Très, très, très concrètement, euh, ça nous a renforcé euh, ces dispositifs dans l'idée euh, de, de proposer nos fonds thématiques avec une approche de durabilité euh, renforcée pour euh, mieux euh, exprimer en fait l'objectif initial qu'on avait sur ce type de fonds. Là, on peut le, le matérialiser avec ces, ces, nouvelles, ces nouveaux labels, même si là, ce n'est pas précisément un label, mais en tous les cas, euh, cette segmentation euh, des fonds entre ceux qui ont une approche. Euh, plus ou moins prononcé sur l'investissement sur l'investissement durable. Donc ça, c'était la, la première remarque puisque tout le monde est un peu remis à égalité. Euh, auparavant, il y avait les spécialistes de niche et puis ça devient quelque chose de central et, 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 et toutes les sociétés de gestion quelque part doivent s'y mettre euh, à la fois réglementairement et sous l'impulsion d'un marché euh, qui qui bouge. L'autre élément qu'il faut mentionner, c'est qu'on est dans quelque chose jusqu'à présent qui est très très ça a déjà été dit quantitatif. Hein, c'est le monde des chiffres, des algorithmes, euh, des scores. Euh, donc il euh, n'y a aucune société qui dispose en, un, en interne de l'ensemble des données. Hein. Le monde de la donnée prend une ampleur extrêmement considérable sur l'ESG, demain sur la biodiversité, euh, sur euh, tout un tas de, 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 de facteurs liés au réchauffement climatique. Donc il faut faire appel à des à des partenaires, hein, de la même façon euh, euh, qu'on a pu le faire sur la notation d'impact, mais on voit qu'il euh, bah, y a beaucoup dans cet écosystème de sociétés qui se spécialisent euh, sur euh, l'acquisition euh, de, euh, de la donnée. C'est extrêmement important, c'est extrêmement intér intéressant également, puisqu'on apprend plein de, 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 de choses nouvelles sur des domaines euh, bah, que les financiers n'étaient pas habitués à, à traiter. C'est sans doute une bonne chose que euh, chacun ne puisse pas... Euh, être autonome sur ce sujet parce que ça nous donne une, vraiment une stricte délimitation entre, typiquement dans l'asset management, bah le gérant, le gestionnaire et puis euh, l'analyse et, et, et l'acquisition la, la, de, de données. Donc ça évite peut-être les conflits d'intérêts. Hein. On, on fait appel à des acteurs indépendants euh, qui fournissent des, des notations euh, qui ne sont pas partie prenante avec, euh, avec les gérants. Donc euh, ça, ça peut être aussi vu comme quelque chose de de positifs, mais en tous les cas, on doit avoir ces nouvelles ressources. Et puis, ça implique de profondément transformer euh, tous nos process hein, avant d'être une révolution pour le monde de la finance. Euh, dans ch chaque entreprise, c'est déjà une révolution en oui. interne pour, euh, pour intégrer ces nouveaux dispositifs. Une question pour toi par rapport, je reviens un peu à la même question parce que ce pas les mêmes clients. Euh, et en as, Vous en avez une quantité assez importante. Et co comment tu as senti depuis deux, trois ans l'évolution euh, de ses clients face à ces aspects de finances responsables? est-ce que ils ont été éduqués est-ce que tu les sens encore perdus est-ce qu'ils demandent plus de questions qui 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 vous mettent la pression à vous aussi vous vous remettre à jour euh, raconte un Alors, peu comment tu as <coughs> perçu ça depuis ben, deux, les deux dernières années c'est vrai que le client, les clients sont eux aussi euh, on va dire, euh, ben, dans l'environnement dans lequel on, on baigne tous, où ces questions prennent une importance de, de plus en plus importante. Euh, C'est vrai qu'il y a encore quelques années, euh, c'était vraiment euh, anecdotique les, les demandes dans... Dans ce sens-là, ça pouvait souvent émaner, euh, on pense, à, à des organismes tels des congrégations qui avaient déjà des chartes d'éthique et, et qui étaient déjà sensibilisés à ce type euh, de sujet, mais venant en, en, des particuliers notamment, ce n'était pas quelque chose de, de, de très développé. Donc je pense qu'il y a un apprentissage en fait qui se fait de manière progressive. Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui tous les clients sont sensibilisés. Aux aspects de finances responsables et mettre en, en, en deuxième plan la performance financière. Mais disons qu'il y a une appropriation progressive de la société et forcément, bah, nos clients sont dans cette société et on, on, on rencontre et on les accompagne de, de plus en plus vers, vers ce mouvement, ne serait-ce par l'offre de fonds proposée qui, elle, se structure aussi en fonction de, de ces éléments et de ces objectifs. Merci beaucoup. Merci, euh, ouais. Merci beaucoup, Jérôme. Bon, on arrive à la dernière, mais non la moindre, Diane. Euh, je suis très content de la voir parce que elle a un passé en, en gestion du risque. Elle a, elle a évolué vers, euh, je dis évoluer, hein, vu, vers l'ESG. Était chez Scope, qui est une agence de notation euh, européenne euh, financière. Et aujourd'hui, tu représentes un peu un bras, euh, je dirais le bras armé de l'État qui peut investir et qui peut euh, peut-être prendre le leadership. Ou, euh, et quand, donc ma question, c'est dans ce qu'on entend depuis le début, euh, quel est le rôle et comment tu vois les projets Prochaines étapes d'une organisation comme, comme celle chez qui tu travailles. L'AFD. J'ai l'impression que tu as du mal à te souvenir de l'AFD. Donc, c'est l'Agence française... française de développement. Alors, justement, avant d'expliquer de, comment nous pouvons contribuer, je vais commencer par une petite anecdote euh, aussi euh, sur, euh, à mon sujet. Alors, moi, j'aime les maths. Je suis désolée, personne n'est parfait. Et j'ai toujours voulu faire de la finance parce qu'il y a plein de chiffres et ça m'amusait beaucoup. Mais quand vous faites de la finance, je ne sais pas ce si que vous, ça crée comme effet en soirée quand vous dites je fais de la finance, mais c'est rarement, euh, rarement bien accueilli. Donc il y avait une petite frustration, je voulais faire de la finance, mais je voulais faire de la finance avec un bon karma. Donc euh, j'étais chez Barclays, je faisais de la structuration, ce n'était pas tout à fait ça. Et j'ai évolué. Euh, après différents postes, et j'ai eu la chance de tomber dans le monde du développement. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le monde, le monde du développement, ben c'est vraiment, j'ai envie de dire, le cœur de, de l'impact, puisque nous investissons dans les pays en développement pour euh, ben justement, on disait, pour faire une évolution, pour faire un changement. Donc, on fait un changement, on travaille avec les gouvernements, on travaille avec les entreprises, et on va financer un tramway à Dakar, on va financer une école en Inde et donc on travaille clairement, on a une stratégie 100% ODD, on est aux côtés des autres et donc voilà ce que c'est une banque de développement. Donc je voulais commencer par, par ça pour que tout le monde comprenne bien effectivement le, qui nous sommes. Alors nous sommes... Aussi euh, une institution publique, comme tu le soulignais. Donc j'ai deux casquettes en fait. J'ai le côté public et le côté développement. Et je voudrais vous apporter donc un éclairage un peu un peu différent. Parce que nous sommes un investisseur et moi je suis trésorière de l'AFD. Donc j'aimais aussi de la dette. J'aimais des fameux green bonds, sauf qu'on n'aimait plus de green bonds. On aimait des, euh, des obligations durables. Encore une fois, notre stratégie c'est 100% ODD. Donc on est vraiment au cœur de l'impact à la fois sur nos actifs et sur notre passif. Qu'est-ce qui est important pour faire avancer l'impact Puisque c'est ça qui nous qui nous réunit ce soir. La première chose, je dirais que c'est notre crédibilité. Notre crédibilité, typiquement, c'est être capable de mesurer. Donc nous, c'est dans notre ADN, en fait, on fait du développement, on fait des projets, on va mesurer l'efficacité de nos investissements euh, a posteriori. Et un, un exemple qui est assez intéressant, c'est sur notre dette. En fait, sur notre dette, on n'émet pas que des green bonds ou des, ou des obligations durables. Il y a seulement une partie de nos projets qui sont financés dans ce format. Alors vous me direz, ben 100% de vos projets sont au euh, euh, DD. Donc, pourquoi vous n'avez pas 100% de dette au DD Eh bien, tout simplement parce qu'on reconnaît la difficulté d'avoir des indicateurs et on veut vous offrir dans notre format durable vraiment la, la crème de la crème de nos projets. Donc, il faut qu'on ait des indicateurs agrégeable qu'on puisse mesurer, qui puisse donc euh, démontrer à nos investisseurs combien on a euh, réduit de gaz à effet de serre, combien de personnes ont eu accès à l'électricité, à de l'eau, pour euh, voilà démontrer notre impact. Donc tous nos projets euh, ont un impact positif, mais pour être qualifié d'obligation durable, on veut pouvoir le démontrer et le mesurer. Et je pense que c'est une, une vraie différence entre l'ESG et l'impact. L'ESG, c'est considérer des, des, des sujets environnementaux et sociaux. L'impact, ça va être la, la capacité de, de mesurer. Donc la crédibilité, c'est le premier élément. Deuxième élément du succès, on a parlé effectivement de, du besoin d'avoir euh, le secteur financier euh, qui converge et, euh, et qui parle le même langage. Mais moi, j'ai envie de parler d'une autre collaboration, c'est justement tout ce qui est blended finance, tout ce qui est euh, public-privé. Donc, nous, on travaille avec des gouvernements, on travaille aussi avec des entreprises et on travaille sur la mobilisation. Nous sommes une, une institution publique, c'est-à-dire que chaque euro qu'on investit, c'est aussi un peu le, le vôtre, et on veut qu'il ait un impact au-delà de cet euro. On veut qu'il y ait d'autres acteurs qui nous rejoignent. On veut que cet euro, il ait un effet domino et qu'il mobilise un maximum de fonds du privé. Donc, on prend des risques avec vous, on... Ça, ça, ça reste un, un, une activité rentable. Hein. On n'est on pas, pas dans la philanthropie. Donc, on, on génère des profits également, on prend des risques, on développe des partenariats avec le privé. Donc, il y a une collaboration financière, mais il y a également une collaboration justement sur les euh, méthodologies. On travaille avec plein de banques. Je vais, je vais intervenir tout de suite sur le blended finance. Tout le monde est familier avec ce que c'est le blended finance. Rapidement, si, si je, je vulgarise. C'est euh, deux organisations, une euh, financière qui sont prêtes à prêter, mais avec des conditions et des, des appétences aux risques différents. Donc, s'il y a un projet qui a un risque de 9 et euh, une des organisations prend un risque seulement que si c'est 11 euh, et puis une autre organisation, c'est 5, la moyenne, c'est 9, les deux se mettent ensemble et mettent les montants pour, en blended finance pour pouvoir le financer, qui autrement, ce projet-là ne se refinancerait pas. Exactement. Tu... Parfaitement. Donc, c'est notre rôle de pionnier, de leader. On va ouvrir des marchés, on prend des, des risques, encore une fois, et c'est euh, la politique de, de l'État. La France a un budget pour le, pour le développement, euh, qui est utilisé soit par la, ban la Banque mondiale, en, multi en multilatéral, soit euh, par nous-mêmes. Donc, on collabore de manière financière, on prend des risques ensemble. Et euh, la finance et l'asset management, mais on a des experts, c'est effectivement une, une sorte d'optimisation du rendement et du risque jusqu'à présent. Et l'idée, c'est d'introduire une troisième dimension, qui est l'impact et la mesure d'impact. Euh, pour ça, la collaboration qu'on établit, elle n'est pas que financière et de, et de risque, mais également de méthodologie. Donc on travaille avec certaines banques. Euh, sur le partage de nos connaissances, comment dans les pays émergents, on va euh, pouvoir mesurer l'efficacité de nos projets. Donc, ce, cette collaboration, en fait, Blended Finance, c'est ce qui va nous, nous permettre, euh, nous, aux banques de développement, les banques de développement investissent des milliards. Mais les milliards, malheureusement, ça ne va pas suffire à, aller, euh, à combler le, le gap vers les ODD. Donc, il faut passer des billions to trillions, comme disent les Américains. Et c'est un peu l'idée de la mobilisation et le besoin de développer cette euh, finance, blended finance. Donc ça, c'est euh, notre rôle, être crédible, créer des partenariats publics-privés. Et je voudrais finir, parce que je sais que tout le monde a très envie d'aller boire une coupe de champagne, sur, euh, sur les pays émergents. En fait, on parle beaucoup de réglementation. La réglementation, elle est essentielle, ça a été souligné par beaucoup de monde ce soir. Elle fait avancer les choses, mais la réglementation, elle parle aux Européens beaucoup avec des standards européens. Et quand on investit en Inde euh, sur un chemin de fer, on n'a pas les conditions du tout des de, euh, de, standards européens. Donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui nous, nous intéresse beaucoup. C'est comment faire cette transition si on ne s'adresse qu'à ce qui est euh, parfaitement euh, vert ou, euh, ou qui est... Euh, qui est déjà à des standards très élevés, ça ne suffira pas. Donc l'idée de transition, pour l'instant, moi je ne la vois pas beaucoup amenée, en tout cas sur la réglementation européenne. Je vois plutôt une taxonomie qui dit ce qui est vert. Je ne vois pas comment on transforme ce qui est brown en vert. Et, euh, et voilà. Et donc c'est, je pense que la transition est nécessaire et n'est ne, pas tout à fait englobée, en tout cas dans la réglementation euh, européenne. Et je finis sur un, un, un point puisqu'on a parlé des outils. Donc, il y a beaucoup d'outils de finance durable, mais il y en a aussi qui ne sont pas assez développés et typiquement tout ce qui est transition bonds. Donc, euh, savoir justement comment on va emmener certains pays à aller jusqu'à nos standards européens. Donc, en fait, la, la finance durable, ce n'est pas faire des euh, éoliennes en Norvège, c'est aussi euh, mmh. aller euh, transformer le, les pays émergents, notamment. Et donc, c'est notre rôle et, et euh, on a besoin de toute la finance pour y arriver. J'ai une question avant qu'on passe aux questions de la salle. J'ai une question qui, euh, comment est-ce que tu sens tes, les partenaires? Parce qu'effectivement, tu es co investis donc sur des projets à risque et les partenaires, est-ce qu'il y en a plus ou il y en a moins ou il y en a pas assez ou est-ce qu'ils sont éduqués ou est-ce qu'ils se comprennent ou, ou est-ce qu'on en est à, à cette, euh, est-ce que ça se bat au portillon? Alors, bon, tu t'adresses tu à la trésorière, donc c'est pas celle qui est le plus proche des partenariats. Je vois dans la salle des, des collègues de, de l'AFD. On a des, des partenaires, on a beaucoup de partenaires effectivement privés. On a aussi beaucoup de collaborations entre banques de, de développement. Est-ce que ça se bat au portillon? Euh je ne sais pas, est-ce que ça se bat au Portillon ça, ça, ça fonctionne en tout cas, puisque ça fait 80, 80 ans que l'AFD la, est, est là, pas 80 ans qu'elle fait du développement, mais euh, effectivement, c'est un, une... L'affaire qui, Parce qui c est. Parce que c'était vraiment un des sujets, par exemple, notre partenaire qui est Société Générale, qui veut de plus en plus euh, veut aller dans ce blended finance et qui investit oui. de plus en plus et qui se disent euh, il y a trois ans, on n'était pas là, cette année, on en met, on en met, puis et on en y met y de y a plus des, en plus. Il y a des banques commerciales qui ouvrent des banques de développement. Oui, 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 c'est un peu la. la... Donc, euh, Bien, donc, merci voilà. beaucoup. J'aimerais je, 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 qu'on passe aux questions. Un petit cadeau, j'ai oublié mon Axel. Axel va vous montrer qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau, j'étais complètement oublié Axel. Alors rapidement, pas, un cadeau que vous avez. C'est pas grave Paul. Promis 30 secondes tout le monde. Maximum. Euh, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci aux excellents panélistes. Merci à vous. Euh, je m'appelle Axel Bonaldo, je suis le Head of Sales chez Impact et euh, je crois, je suis désolé, mais je crois que j'ai le meilleur rôle ce soir. Pourquoi Parce que je suis ici pour vous faire un cadeau. Euh, pourquoi un cadeau Parce que chez Impact au-delà des mots, au-delà des belles paroles, on aime les preuves, on aime les faits. Et donc, quel est ce cadeau Ce cadeau, c'est qu'on veut vous donner aujourd'hui, en exclusivité, accès à la première plateforme de données et d'intelligence d'impact au monde qui s'appelle Impact Analytics. Donc, vous avez vu partout dans la salle, vous allez voir dans la salle de cocktail, il y a des QR codes. Il suffit pour vous d'aller le scanner, vous inscrire on vous demande quatre informations ça prend dix secondes et vous allez recevoir votre accès gratuitement. Euh, ce que je voulais vous dire également, c'est que on est très fiers de vous présenter cette plateforme Impact Analytics et de vous y donner accès. Parce que ça fait plus de quatre ans qu'on la co-développe avec des clients, avec des partenaires, afin qu'elle réponde au maximum aux besoins du secteur financier. C'est-à-dire avoir des données d'impact rigoureuses, complètes, transparentes, standardisées et comparables. C'est ce qu'on vous offre aujourd'hui en exclusivité. Euh, ce que vous allez voir à l'écran rapidement, c'est ce à quoi vous allez avoir accès. Vous allez avoir accès à plusieurs dizaines d'analyses ODD de plein d'entreprises sur différents secteurs qu'on a présélectionnés pour vous. Vous allez avoir accès, au-delà des analyses individuelles euh, de ces entreprises, à une fonctionnalité portfolio qui vous permet d'agréger ces données à un niveau portefeuille afin d'automatiser votre reporting sur les ODD euh, et de monitorer l'évolution des contributions aux ODD de ces dites entreprises. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que ça qu'on vous offre. À côté de ça, la plateforme Impact Analytics permet également d'accéder à tous les autres rapports d'analyse que nous faisons chez Impact, première agence de notation, d'analyse et de notation d'impact. On offre également des analyses d'impact détaillées avec plus de 1700 points de données d'impact contextualisés par émetteur. On offre aussi la possibilité à nos partenaires et clients de répondre à leurs exigences de reporting réglementaire, European Taxonomy, SFDR. Si ça vous prend la tête, nous aussi. Mais aujourd'hui, on a une solution à vous proposer. Donc, vous y allez avoir accès dans Impact Analytics. Également, si nos partenaires, nos clients souhaitent avoir des analyses plus approfondies sur des thématiques comme la stratégie climat, euh, la gouvernance, les controverses, tout ça est disponible sur la plateforme Analytics. Vous n'êtes qu'à deux clics de cette plateforme Impact Analytics de pouvoir jouer avec ces premières données d'impact au monde. Je vous encourage fortement à aller scanner le QR code, euh, en tout cas les QR codes qui sont dans la salle de cocktail juste à côté. Et je vous rassure, ils sont très bien situés. Ils sont juste à côté des vins bio et du buffet. Donc, merci. L'échantillon, pour temps Ah oui, l'échantillon est à durée illimitée. Donc, allez-y, profitez-en, jouez avec. On aimerait également remercier les arts et le cœur qui, euh, ce soir, étaient notre traiteur, Eric et Sandrine, qui vous ont coqueté plein de bons plats, 100% bio et locaux. Merci à vous, bonne soirée.